dans ce nouveau tutoriel trucs et astuces de vos calibres. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc sur le Citrus de FL Studio. Je précise que là, il s'agit du Citrus lorsque vous faites un clic droit, remplacer ou insérer, et Citrus, sans rien toucher. Il ne s'agit pas des plugins qui sont déjà faits par FL Studio. Là, c'est juste le Citrus en insérant un Citrus. Du coup, vous aurez ce son-là. Et voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est d'améliorer l'attaque de ce son. Parce que lorsqu'on joue ce son, en fait, le son va démarrer progressivement. Du coup, si vous jouez quelque chose, en fait... lorsque vous tapez sur les notes, ça va prendre un petit temps avant de démarrer en fait. Et donc si vous jouez plusieurs notes, comment dire, les notes n'auront pas le temps de démarrer en fait. Quelques petits accords comme ça vite fait. Le truc c'est faut venir dans hop 1 et du coup ici ça sera l'attaque en fait. Ici on voit que ça va prendre un petit peu de temps avant de démarrer, et nous ce qu'on va faire c'est prendre le petit bouton jaune en haut et le bouger vers la gauche, et donc là ça va démarrer plus rapidement. Sur le deuxième aussi, hop 2 en haut, on le bouge. Le hop 3 aussi, on le bouge. Et du coup là, dès que la note va jouer, le son va s'activer plus rapidement. Du coup, il y aura plus d'attaque. Et donc, ça donne ça. Je vais juste remettre un net Citrus pour vous montrer la différence. Là, il faudra être attentif parce que c'est très subtil. Mais il y a une petite différence quand même. Là, ça... attends, je vais descendre en bas. Du coup, sur le Citrus, le premier Citrus ici, ça sera celui qui est modifié. Et le 2, ça sera celui qui n'est pas modifié. Alors, je démarque celui qui n'est pas modifié. On remarque que ça démarre progressivement. Chouin, chouin, chouin. Et celui-là, ça va démarrer tout de suite en fait. Il y a plus d'attaque, plus de puissance. Pour mieux vous faire remarquer la différence, je vais juste le bouger vers la droite. Parce que là, on remarque pas vraiment, faut vraiment être attentif. Là, si le bouge vers la droite, on va plus remarquer que quand il va sur la gauche, ça va démarrer plus rapidement. Ça, c'est lui qui est modifié. Je prends celui qui est du coup l'autre, le premier, mais que j'ai bougé vers la droite, donc que j'ai rendu encore plus lent qu'il n'était déjà. Ah, le son démarre progressivement, donc on n'a pas le temps d'arriver à la zone la plus forte. Que la note est déjà terminée en fait. Si je fais ça, vraiment que ça monte tout doucement. Sur celui qui est modifié, si je refais la même chose, ça va démarrer puissant tout de suite. Et l'autre que j'ai ralenti. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Salut!